Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, et si l'intelligence émotionnelle était la clé pour mieux manager, on en parle avec Aimée Denat, elle est fondatrice du cabinet Sinelli, elle va tout nous expliquer. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution, le groupe Pénélope s'engage et on accueille Cécile Ross, directrice du développement RH et de la communication du groupe Pénélope. Et puis le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Caroline Haquet, des RH de Manutan, le plus grand fournisseur européen de produits et services aux entreprises des fournitures de bureaux, une entreprise qui est passée du papier au numérique. On va en parler avec elle dans quelques instants et faire le point eh bien, sur tout ce qui se passe sur le plan des RH. Et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, reconversion professionnelle. C'est une tendance grandissante. On fera le point avec Aymeric Le Breton, docteur en psychologie, fondateur et PDG d'Orientaction. C'est le nom de son entreprise. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de l'intelligence émotionnelle, du leadership conscient, de concepts qu'on va développer dans quelques instants avec mon invité, Aimée Denat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est ravis de vous accueillir. Fondatrice du cabinet Sinelli, préparation 2018, création 2019. Alors, d'un mot, parce que c'est quand même un peu une tradition dans notre émission, on n'arrive pas là par hasard. Vous étiez au départ juriste fiscaliste et vous avez fait une partie de votre carrière. Bon, juriste fiscaliste, c'est le droit, il y a peu d'humains. À quel moment vous dites, je ne suis peut-être pas là au bon endroit et je vais développer Sinelli ? Déjà, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Et j'ai envie de vous dire, je suis revenue à l'essentiel, parce que quand j'ai commencé le droit, je voulais faire du droit pénal. Et puis, j'ai senti qu'au niveau des émotions, il n'y avait pas de maîtrise personnelle par rapport à mon histoire et que j'avais besoin de travailler sur ça, sur des blessures émotionnelles. Et donc, j'ai choisi la branche du droit qui était la plus éloignée des émotions, c'est-à-dire le droit des affaires et la fiscalité. Et quand j'ai commencé à exercer non loin d'ici, d'où se trouve le plateau, je me suis confrontée à une crise de conscience, une quête de sens, où je me suis demandé pourquoi je faisais ce métier et pourquoi je faisais du conseil fiscal. Et vu que ça n'avait pas, en tout cas, d'intérêt pour moi, ça ne résonnait pas à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé une carrière en entreprise, dans le retail et dans le luxe, où j'ai accompagné des équipes pendant plus de 7 ans. Et là, vous êtes dans l'humain, là. On est dans l'humain, là. Oui. On est dans la transmission. Oui, mais en entreprise aussi, j'étais dans l'humain. J'accompagnais des managers, j'étais manager de managers. Et j'accompagnais l'humain, mais j'étais toujours sous les politiques d'entreprise. Et il y a un moment, au bout de 7 ans, je me suis retrouvée en dissonance cognitive et j'ai voulu continuer à accompagner l'humain, mais pas en respectant une politique d'entreprise qui n'était pas forcément en accord avec mes valeurs. Les process, les règles, enfin, tout tombe d'en haut. Coach, praticienne en hypnose, oui. Et vous développez, alors, et c'est ça que j'aimerais qu'on développe ensemble, vous développez finalement une prise en charge, un accompagnement holistique. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle holistique dans sa globalité ? Oui, ça veut dire qu'on prend en compte différentes dimensions de l'individu. Donc la partie vraiment intellectuelle, les talents, le savoir-faire, mais aussi la partie qui est plus émotionnelle, intuitive, corporelle. Et ça prend en compte aussi l'histoire personnelle de la personne, même si on l'accompagne au niveau professionnel. Développer son intelligence émotionnelle, quelle définition vous y mettez ? Parce que l'idée, c'est ce que vous dites, je crois, hein, c'est pas de canaliser son émotion, c'est aussi d'accepter les émotions qui arrivent et de savoir, j'allais dire, vivre avec, les gérer, c'est ça. Mais on ne les canalise pas, on ne les repousse pas. Quel mot vous mettez-vous ? Exactement, je dirais vivre en harmonie avec ses émotions. Et pour l'entreprise et le management, c'est un puissant levier de performance parce qu'aujourd'hui, il y a un mal-être en entreprise qui est vraiment, on va dire, croissant, qui existait déjà avant la pandémie et qui maintenant a été accentué. Et il y a un désengagement des employés en entreprise et aussi une fatigue chronique qui s'est créée. Les chiffres Gallup, donc vieil institut de sondage, étude mondiale, 20%, plus de 20% des employés sont en burn-out chronique. Oui. Ça, c'est terrible. 20% sont à la porte du burn-out, oui. Dit cette étude. 15% seulement se sentent engagés. Et là, le chiffre le plus incroyable, quelque part, il est très parlant, 85% des employés ne se sentent pas concernés par la performance de l'entreprise. Ils viennent, ils le disent clairement, ils viennent pour le salaire. Vous avez du travail.
Exactement. Et c'est là où on voit que la question du leadership a toute son importance et que les codes de l'ancien leadership, le leadership traditionnel, que ça ne fonctionne plus, qui est complètement obsolète. Et c'est pour ça qu'on parle de leadership conscience et comment on va revisiter la notion de performance et le management. Le mot performance, à travers votre, vos compétences, vos valeurs, ça veut dire quoi? Parce que performance, au XXe siècle, c'était conquérir, gagner, tuer l'autre. Est-ce que c'est comme ça que vous, vous lui donnez la même définition à ce mot? Non, pas vraiment. C'est se fixer des objectifs, les atteindre, mais en respectant l'écologie. Donc l'écologie, c'est quoi? C'est l'écologie de l'organisation, c'est de toutes les parties prenantes. Et c'est ça, le leadership conscient. C'est que je vais prendre en compte les besoins de chaque acteur, des employés, des clients, de l'organisation, des prestataires, et développer des relations gagnant-gagnant pour tout le monde en faisant du chiffre. Et en continuant à créer de la valeur. Exactement. Vous y fixez 4 piliers. Oui. C'est quoi ces 4 piliers qui vont faire qu'on va pouvoir justement travailler sur le global? C'est quoi ces piliers? Alors les 4 piliers, le premier c'est la transformation, c'est prendre conscience de ses talents mais aussi de ses peurs, de ce qui va nous limiter, donc en tant que dirigeant mais aussi au niveau de l'entreprise. Il y a aussi le service, c'est comment on se met quand on est leader au service de son équipe, de ses clients, de l'organisation. Il y a la maîtrise personnelle, c'est comment j'autogère, quelle est l'autorégulation que j'ai de mes émotions, comment je rentre en contact avec les autres, et est-ce que j'agis en réaction ou est-ce que je suis maître de mes émotions? Comment je les utilise pour vivre en harmonie avec ça? On revient à l'émotion, qui est un enjeu fort, en fait. Oui, qui est un enjeu fort. La gestion fort. De ces émotions. Oui, parce que le leadership traditionnel, en fait, faisait taire les émotions. On le voyait comme une faiblesse. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est... Le masque, oui, c'est ça, le bal des masques. Ouais. Le bal des masques. Là, vous dites, finalement, à travers votre méthodologie, c'est on pose des masques et on se révèle. Exactement. On se montre à découvert, mais ce n'est pas comme une faiblesse, c'est pour se connecter à l'autre. Et le fait de se connecter à l'autre avec authenticité, finalement, ça crée de la performance parce que les gens sont engagés, ils viennent travailler dans des bonnes conditions et ça crée de la productivité, de la performance. Alors là, qui vient contredire évidemment le sondage Gallup, vous évoquez dans ces piliers le service, mais aussi la vision. Oui, la vision. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils soient aussi capables d'aller loin, de ne pas jouer sur le court terme en permanence. D'aller loin, mais aussi d'engager par sa vision. C'est quel projet je vais proposer à l'organisation, à mes employés qui vont faire que je vais proposer des valeurs, je vais proposer une histoire, je vais proposer une direction à suivre qui va toucher le cœur des gens et les engager non pas par contrainte, comme le faisait le leadership traditionnel, mais par amour. Donc ça ne part pas de la même énergie. On ne part pas de la peur, de la contrainte, de la coercition, mais plutôt de l'envie, la passion, l'amour. Edmédiana, comment vous y prenez? Parce que là, on a géré vu une vue un peu théorique, mais vous avez des prospects, ensuite vous avez des clients, vous avez vous-même une entreprise. Tout ça est adapté en fonction du diagnostic que vous faites. Vous suivez la personne individuellement. Comment ça se passe? Ça commence d'abord individuellement avec le dirigeant, où on va travailler son histoire personnelle, sa maîtrise personnelle, sa capacité à gérer ses émotions, à communiquer aussi avec influence, à impacter son équipe. Et puis ensuite, un audit en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de la société, quels sont les mots, les peurs, les limites. Donc ça, généralement, ça dure entre 6 et 12 mois. Et après, on rentre dans la transformation. Qu'est-ce qu'on propose pour abandonner les anciennes pratiques et mettre en place de nouvelles choses? Et après cette période-là, entre 1 an et 2 ans, on commence à mettre en place une situation qui est plus pérenne et avoir un retour sur ce qui a été mis en place. Vous nous dites quand même, là c'est très intéressant, parce qu'on voit aussi qu'il n'y a pas de coup de baguette magique. Ah non. C'est-à-dire que vous nous évoquez quand même un travail lent, parce qu'une transformation ne se fait pas. Vous ne pouvez pas vendre à l'entreprise l'idée qu'en 6 mois, elle se transforme. Ce n'est pas possible. Non. Donc, en général, dans les 6 à 12 mois, on va travailler sur l'audit, l'intelligence émotionnelle du dirigeant et de ses équipes, la communication, recréer de la confiance avec l'équipe à l'intérieur de l'organisation et créer un cadre en fait, de confiance, de sécurité, qui permet après de travailler et d'aller sur le changement. Parce qu'avant de changer, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Évidemment. Et se rendre compte de ce qu'on est. Il faut la regarder en face. Exactement. Et une fois qu'on l'a bien regardée en face, on se dit, oui, effectivement. Ça veut dire quand même que le dirigeant qui vous accueille la première fois, parce qu'il y a bien une première fois, un moment où il y a un premier échange, le dirigeant a quand même conscience de dysfonctionnement, de difficultés. Il vous fait venir pourquoi? Parce qu'il perd de la valeur? Parce qu'il sent qu'il y a du turnover? C'est quoi les symptômes qui lui donnent envie de vous appeler?
Alors, la plupart du temps, c'est des prises de conscience personnelles. C'est-à-dire que le dirigeant commence à avoir une quête de sens. Il a un développement personnel, spirituel. Il va commencer à se poser des questions sur ses émotions. Mais il n'arrive pas forcément à le retranscrire dans son organisation. Puisque le collectif et l'individuel, c'est assez différent. Donc, il y a ce passage de comment je fais pour insuffler quelque chose de nouveau dans mon organisation avec une pérennité financière. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'il y a aussi une responsabilité du dirigeant qui est de continuer son activité et de sauvegarder les emplois. Oui, c'est tout l'enjeu. Il n'arrête pas l'entreprise, il ne la met pas sur pause. Non. Elle continue toujours à développer, à faire de la politique en interne, à créer des tensions, des conflits. Et au même moment, il faut qu'il commence à muter. Donc c'est un travail qui n'est pas simple, en fait, pour lui. Exactement. Donc il y a cette prise de conscience individuelle et en même temps, comme vous l'avez dit, il y a des symptômes d'une entreprise, d'une santé sociale qui va mal, qui sont le turnover, l'incapacité à réduire les talents, la maladie qui augmente, ce genre de choses, des accidents de travail. Et lui, peut-être le décideur ou le dirigeant qui se dit « je ne prends plus les choses du bon côté, je m'épuise ». Généralement, il a essayé des choses, mais il voit que ça ne fonctionne pas parce qu'effectivement, ça part du dirigeant, mais après, il y a plein de strates de management. Et pour ça, il faut aussi un accompagnement collectif. Donc, quand j'accompagne une entreprise, je ne suis pas toute seule. Je vais faire de l'accompagnement individuel avec le dirigeant, mais j'ai une équipe de consultants qui va venir pour chaque strate du management, en fonction de la taille de l'entreprise. Et ensuite, vous reconsolidez, je dirais, dans des réunions internes entre vous pour voir comment les plaques tectoniques de l'entreprise bougent. Donc là, vous êtes déjà engagé, j'imagine, sur des processus d'accompagnement. Oui. Donc, ça veut dire du temps plein pour vous en permanence dans la boîte? Non, ça ne veut pas dire du temps plein. Ça veut dire vraiment des réunions tous les 15 jours avec le dirigeant pour voir ce qui a été mis en place. Quel travail. Merci Edmé Dena, c'était un plaisir de vous entendre. Fondatrice du cabinet Signelli, vous l'aurez compris, c'est un travail en profondeur qui est opéré. Et en fait, vous ne voyez le résultat que dès lors que vous avez eu le premier rendez-vous, quoi, 3 ans après. Non, au bout de la première année déjà. Première année, on sent. On le sent parce qu'on travaille sur l'intelligence émotionnelle et sur la communication dans l'entreprise. Vous voyez, dans l'attitude. Dans l'entreprise. Ouais. Donc déjà, il y a une amélioration des relations sociales. Et ça, on le ressent tout de suite. Les fameuses relations sociales. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Un vrai plaisir. On passe à notre rubrique suivante. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire. Un jeune, une solution. Et on accueille la RH du groupe Pénélope. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution, des entreprises, des groupes qui s'engagent pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes, pour l'inclusion aussi. Et on en parle avec Cécile Rost. Bonjour Cécile. Bonjour. Directrice développement RH et de la communication du groupe Pénélope, alors qui est une marque connue, 50 ans d'expérience. Il y a 4 grands métiers. C'est quoi ? L'accueil ? L'accueil en entreprise, donc pilier du groupe. Ce qu'on appelle chez nous le marketing terrain, donc animation commerciale, force de vente supplétive notamment. Les centres d'appel, avec une particularité, c'est que nos centres d'appel sont tous situés en France. C'est en bien de l'entendre. Bretagne. C'est bien de le dire. C'est et bien de le faire. Prendre, effectivement, en Bretagne et à Paris. Et une quatrième activité qu'on appelle solution RH chez nous, d'intérim et de recrutement. Ça, c'est intéressant. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que on voit bien la configuration de ce type d'entreprise. Je me trompais d'ailleurs, parce qu'en préparant l'émission, je me disais, mais c'est quand même des postes à turnover, c'est-à-dire quand on fait des centres d'appel, on se dit qu'on ne va pas faire toute sa carrière en centre d'appel. Quand on fait de l'accueil ou du déplacement commercial sur des... On se dit que c'est des jobs. Et vous me disiez, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, bien évidemment, une partie de nos collaborateurs sont avec nous pour une durée relativement courte. Relativement courte, c'est 3 ou 4 ans. Donc, on ne parle pas non plus de quelques semaines ou quelques mois. Oui, c'est pas une mission de 15 jours. Non. Sur l'événementiel, oui, mais pas sur notre cœur de métier. En revanche, ce sont des métiers qui se sont extrêmement professionnalisés et où on peut aujourd'hui offrir des parcours professionnels à nos collaborateurs. Donc, et ces parcours, pour quelqu'un qui a commencé comme hôte ou hôtesse, et je dis bien hôte ou hôtesse, parce que nous avons beaucoup, de plus en plus d'hommes aussi dans nos métiers, eh bien, ils vont évoluer vers des postes d'encadrement, de management, et vers des postes aussi au sein de la structure du groupe. Donc hôte et hôtesse, c'est un des métiers de Pénélope, oui. qui cartonne d'ailleurs, c'est lorsqu'on fait un cocktail, un colloque, et qu'on est accueilli, c'est ça les hôtes et hôtesses, alors, ou c'est autre chose ? Alors c'est autre chose, ça peut être ça. Et c'est l'accueil guichet quand je vais dans une boîte ? Voilà, exactement, ça peut être ça, donc hôte et hôtesse événementiel, mais c'est surtout, en tous les cas pour nous, les hôtes et hôtesses en entreprise, donc c'est l'accueil... Soit dans une tour à la Défense, mais également dans un cabinet d'avocats, dans une entreprise de service, je dirais dans tous les environnements. Poste éminemment stratégique.
extrêmement stratégique. C'est la première personne que l'on voit dans l'entreprise. Tout à fait, c'est la première personne. Et aujourd'hui, c'est une personne qui est à la fois au service des visiteurs, donc que l'on voit quand on arrive, mais de plus en plus au service des occupants. Et là, pour le coup, la crise sanitaire que nous avons vécue a amplifié ce phénomène. C'est un virage qui avait déjà été pris, mais qui est de plus en plus important. Et donc, du coup, une professionnalisation, une technicité, pardonnez-moi, je n'aime pas trop ce terme, mais une technicité de plus en plus grande de nos métiers, et donc des besoins de formation, bien évidemment, importants. Donc, sachez que quand vous vous rentrez dans une grande entreprise, bah, c'est peut-être des salariés, hein, en fait, hein, détachés dans l'entreprise, mais des salariés de Pénélope qui vous accueillent, qui vous donnent le badge, exactement, et qui vous demandent les trois formalités essentielles pour rentrer dans le bon ascenseur. Alors, votre entreprise, ce qui est intéressant, c'est elle fait un focus très, très important sur l'inclusion. Oui. D'abord, pourquoi cette volonté, peut-être plus forte que d'autres entreprises, et puis on va revenir aussi sur votre stratégie relative aux personnes handicapées. Alors, pourquoi l'inclusion? Alors, quand on parle d'inclusion chez nous, on parle d'inclusion au sens large, hein, c'est-à-dire aussi bien inclusion des jeunes, inclusion des personnes éloignées de l'emploi, inclusion au sens de la parité. Il ne vous aura pas échappé que la parité chez nous est strictement inverse au problème paritaire habituel, ouais, mais c'est un vrai sujet. Il y a moins d'hommes que de femmes, on est d'accord. Oui, il y a moins d'hommes que de femmes, mais c'est un vrai sujet, donc on s'en est emparé il y a longtemps. Donc là, vous vous battez pour qu'il y ait plus d'hommes. Tout à fait. Donc, c'est intéressant. Et l'inclusion aussi des personnes en situation de handicap. Donc on a vraiment cette approche très très large et qui, historiquement, j'allais dire, est dans notre construction, dans notre ADN, au sens où on a toujours considéré comme faisant partie de nos missions que de pouvoir proposer à des jeunes d'entrer sur le marché du travail, de se construire des compétences, d'acquérir des savoir-être et des savoir-faire, qu'ensuite ils pourraient, soit en restant chez nous, mettre, j'allais dire, à profit dans d'autres missions, soit être un véritable tremplin. Aujourd'hui, enfin, moi, il y a un chiffre que je cite assez souvent et dont on est assez fier, c'est que 90% des jeunes qui passent par chez nous et qui, après, vont continuer leur vie professionnelle, en moins de 3 mois, trouvent un emploi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acquis, j'allais dire, les clés de ce marché de l'entreprise. Donc ça, c'est un... Ça a été vraiment... Oui, ils ont vu ces entreprises, en fait. Oui, voilà, on leur apprend. Un jeune aujourd'hui, même quand il a fait des études, en règle générale, une entreprise, il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il faut y vivre, il faut y travailler. Il faut y vivre. Et nos postes d'accueil sont vraiment au cœur de l'écosystème des entreprises. Et donc, ça leur donne une vraie connaissance des rouages de l'entreprise. Et après, ça leur ouvre des portes. Donc, ce premier pilier, il est historique, hein, et on a fait de la formation un des leviers essentiels et majeurs de nos processus de recrutement. Ce qui aujourd'hui, d'ailleurs, est quelque chose d'assez intéressant. On ne va pas revenir sur la crise de recrutement que nous vivons tous. Que nous traversons comme tout le monde au demeurant. Le fait d'avoir, depuis quasiment 10 ans, parce qu'on y a travaillé bien avant, développer cette inclusion, finalement, chez nous, par le biais de processus de formation, par le biais de la professionnalisation, bien avant, je dirais, l'ère Covid, eh bien, ça nous permet aussi de limiter... De mieux traverser ce choc de mieux traverser. Mais il est gigantesque. Je crois qu'on n'a jamais connu ça dans nos métiers. 313, ça, je voudrais quand même citer ce chiffre, ouais. 313 personnes actuellement reconnues, déclarées auprès de la mission handicap, ouais, au sein du groupe. Tout à fait. Pour le dire un peu abruptement, vous êtes face à des clients qui vous disent, qui vous donnent un peu le portrait robot de ceux qu'ils veulent avoir à l'accueil. Et là, il y a une discussion qui s'installe avec votre client, oui, c'est bien légitime. Comment ça se passe pour les personnes en situation de handicap? Parce que les entreprises aussi qui vous accueillent ont des politiques handicap, elles ont elles aussi des obligations. Oui. Comment ça se passe? Alors, très bien, d'abord. Déjà, on va se le ça, dire. C'est positif. Très bien. Ouais, non, c'est positif. Alors, c'est vrai que, comme vous l'évoquiez, les engagements que nos clients doivent aussi avoir par rapport au handicap. C'est 6% la règle. Hein. C'est 6% la règle. On est très, très peu à le respecter. À l'atteindre. Je dirais plus à l'atteindre. Vous l'atteignez ou pas, malgré pas ce tout chiffre à fait. Pas encore. Pas tout à fait. Mais vous n'êtes pas loin. On le tangente aujourd'hui. On le tangente. Mais donc, c'est plus y arriver. Et pour y arriver, il faut mettre en place un certain nombre de politiques. Et vis-à-vis de nos clients, ça se passe bien parce que ça participe aussi, je dirais, à leurs résultats en la matière, mais également parce que
si on, vous me posez cette question, c'est qu'on a souvent tendance à avoir une vision très réductrice du handicap. Oui, c'est vrai. Le handicap, ça n'est pas quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ça n'est pas quelqu'un qui a une canne blanche. Il est souvent invisible, le handicap. Il est très, très souvent invisible. Et donc, on a beaucoup de collaborateurs. Alors, on a des collaborateurs avec des handicaps visibles, hein, bien évidemment. Et on travaille sur l'adaptation du poste de leur poste de travail. On a une mission handicap au sein du groupe depuis 10 ans. Quand je dis que ça fait partie de notre ADN, c'est une réalité. Et on travaille à la fois sur le recrutement, mais également sur le maintien dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap, qui est un sujet, j'ai presque envie de dire, tout aussi important. À des salariés plus, valides qui soudain... Parce qu'on a des, on a des salariés qui ont intégré l'entreprise, qui n'avaient pas de... Qui n'avaient aucun souci de santé. Ou qui en avaient, mais qui, je dirais, soit le cachaient, parce qu'il y a, encore un petit bout de tabou derrière tout ça, et un petit bout de crainte. Et donc cet accompagnement de nos collaborateurs est très important également. Avant de nous quitter, Un Jeune, Une Solution, qui est notre partenaire, c'est un outil utile. Tous les invités qui viennent sur ce plateau nous disent que c'est un outil essentiel pour faire du recrutement. J'ai vu que vous aviez quand même un petit peu d'embauche là, prévu. Hein, 88 embauches de nouveaux collaborateurs en CDI. Vous êtes toujours sur Alors ça, les 88, c'est pour nos collaborateurs en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a 88 postes pour des collaborateurs en situation de handicap. Tout à fait. Et ça, ils sont ouverts, ces postes. Oui, bien sûr, ils sont ouverts. Alors, tous nos postes sont ouverts au handicap. D'accord ? Ça, c'est l'engagement de notre accord. Toutes les fiches de postes. Tout est ouvert, oui, tous les postes sont ouverts, tout à fait. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, sur l'année, nous allons recruter 1200 personnes à peu près sur l'accueil en entreprise. Sur ces 1200, on va en recruter 350 par le biais de la professionnalisation. Et là, c'est vrai que toutes les mesures qui ont été prises, donnent de la visibilité. On ne les a pas attendues puisqu'on le faisait avant, mais ça donne de la visibilité. Et c'est en ça que c'est un outil. Ça montre à des jeunes que... oui, je peux intégrer une entreprise, même si je n'ai pas forcément mon diplôme aujourd'hui. On a des dispositifs qui peuvent les aider. Oui, j'étais pas à l'échelle, hein. Je reprécise, 88 embauches pour des personnes en situation de handicap. Ouais. Et on voit parfois la difficulté qu'elles ont à trouver un emploi. Donc, il y a des emplois chez Pénélope. Bien sûr. Vous travaillez sur des volumes bien plus importants. 5000 collaborateurs, je ne dis pas de bêtises. Oui, à peu près 5000 collaborateurs. 5000 collaborateurs. Donc, effectivement, c'est une entreprise avec beaucoup de salariés. Un dernier mot, là, concrètement, vous allez où pour recruter? Vous allez sur Un Jeune, Une Solution? Vous allez à la rencontre de ces jeunes? Comment on fait? Alors, concrètement... on fait tout ce qu'on peut aujourd'hui, clair. Non mais oui, on va à la rencontre des jeunes, que ce soit dans leurs écoles, dans leurs universités, dans des forums. On poste bien sûr sur Un Jeune, Une Solution, sur l'ensemble de nos job boards, et on essaie d'aller les chercher là où ils ne nous attendent pas nécessairement. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des solutions qui nous permettent de proposer nos offres à des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, je ne voudrais pas qu'on croie que nos métiers sont des métiers réservés à des jeunes. Loin de là, loin de là. Et donc, on va aussi les chercher par affinité, en fonction de leur centre d'intérêt, parce qu'on parlait de l'accueil, mais on a des métiers aussi de conseil beauté, par exemple. Donc, on va aller les chercher plutôt sur des sites affinitaires. Ils sont sur des sites commerciaux, dans des grands magasins. Sur des sites affinitaires dédiés. Merci de nous avoir rendu visite, Cécile Ross. J'ai dit DRH, ça vous va? Merci DRH, en charge de la communication et des ressources humaines? Directeur du développement RH. Préféré développement RH. Oui, et de la communication, oui, parce que le développement, c'est dans l'ADN. J'ai bien compris. Voilà, Pénélope, qui n'a pas attendu la crise Covid pour accélérer. Non, bien entendu. Qui est déjà engagé sur l'inclusion des jeunes. Oui. Et des personnes handicapées. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci à vous. Et puis bonne chance pour vos recrutements, évidemment. On fait une courte pause et on va se tourner vers le Cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec la DRH de Manutan. Alors ça, c'est aussi une belle entreprise, mais qui est passée, parce qu'elle est née en 66, elle est passée du papier, du catalogue qu'on connaissait, au numérique. C'est-à-dire que pour acheter un stylo, avant, on le commandait sur un catalogue avec un bon de commande. C'est fini. C'est le numérique, c'est une entreprise qui se développe. Et on va en parler avec sa DRH juste après la pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Manutan, Caroline Aquet. Bonjour Caroline, ravie de vous accueillir. On va parler avec vous évidemment de ressources humaines, de la manière dont vous les pratiquez, ces ressources humaines, le feedback, l'onboarding, les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Mais quand même quelques mots sur l'entreprise, parce que je trouve ça vraiment intéressant de vous avoir sur le plateau. 650 collaborateurs sur le site de Gonesse, qui est dans le 95. Il y a 1200 collaborateurs en France
et 2200 au niveau européen, avec 26 filiales dans 17 pays européens. Vous avez tout bon. J'ai tout bon. Ouais. Ce qui est quand même incroyable dans cette marque, elle est créée en 66 et elle est, j'allais dire, classique. Elle vend du matériel de bureau, de bureautique, d'hygiène, de sécurité, bref, mais sur catalogue. Cette entreprise, j'allais dire, aurait pu disparaître et elle est toujours là. C'est incroyable ce switch, la manière dont l'entreprise a su se transformer. Je pense que c'est tout à son honneur et à l'honneur des dirigeants de Manutan d'avoir su comprendre le marché et identifier justement ce virage digital et l'idée qu'on allait devoir en effet passer nos commandes et assurer à nos clients un meilleur service en sortant du tout papier. Alors, vous êtes, ça fait un an que vous êtes dans l'entreprise. Tout à fait, oui. On a un an, on se familiarise avec sa culture, mais vous n'êtes pas là depuis 66, évidemment que non. Et non. Mais quand même, à une époque, je pense à la Redoute, où leurs dirigeants de l'époque disaient non, on va garder le catalogue, c'est patrimonial, on va continuer à le distribuer. Et puis la vague numérique a été telle qu'il n'y a plus de catalogue, et que d'ailleurs, il n'y a plus de catalogue nulle part, il n'y a plus de marque. L'entreprise a pris un virage subtil quand même, il a pris le virage au bon moment. Oui, au bon moment, et je pense en gardant aussi, en étant très clair sur ce qu'on est, c'est-à-dire on a aujourd'hui un fonctionnement dit hybride, c'est-à-dire on prend vraiment le meilleur des deux mondes. Donc bien sûr, le digital avec toute la facilité et la rapidité qu'on lui connaît, avec aujourd'hui on a 65% de nos commandes qui sont en digital, mais on a aussi bien sûr préservé nos forces de vente, nos commerciaux, on a encore un petit bout de catalogue, même si je ne cacherai pas que les piles baissent de plus en plus. C'est un tout petit catalogue en fait, c'est quoi? Oui, c'est... voilà, et on a aujourd'hui 700 000 références, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas un catalogue avec nos 700 000 références. Alors sur le site, il y a marqué 230 000 références, je suis allé voir le site pour voir ce que vous proposiez comme produit, parce que ça m'intéressait, et ils mettent 230 000. Parce qu'on a plusieurs sites. Ah. Voilà, parce que si vous regardez au niveau du groupe Manutan, vous avez la marque généraliste Manutan que vous êtes peut-être allé chercher. Je suis allé chez les généralistes, exactement. En effet, grand public. Exactement, et on a aussi des spécialistes, Casal, par exemple, Casal Sport, qui vend du matériel sportif, Pichon, des fournitures scolaires, ou au UK, Ironmongery, qui va vendre plutôt tout ce qu'il faut pour de quincaillerie, en fait. 700 000 références au total avec l'ensemble des produits. Entreprise qui a muté, qui est dans le numérique. Alors, ce n'est pas une marketplace, avant de nous tourner vers vos salariés et de leur qualité de vie, qu'on soit bien clair, ce n'est pas une marketplace. Parce que j'ai vu que votre patron, Xavier Guichard, disait, en fait, nous, on se challenge avec Amazon. Il prend soin d'expliquer que vous ne jouez pas tout à fait dans le même volume, mais quand même, il y a un enjeu là, vous êtes face à Amazon. Je pense qu'Amazon, c'est intéressant pour les entreprises comme nous parce que ça nous montre en fait la puissance justement de cet environnement tout digital et on en voit aussi les limites. Donc nous, forcément, notre stratégie va être plutôt d'apporter justement la qualité de suivi et de conseil à nos clients ultra personnalisés avec des engagements très forts qui vont nous permettre justement de nous différencier. Et encore une fois, nous, on reste sur le B2B où les attentes de nos clients sont un petit peu différentes que vous et moi quand on va juste commander un livre par Internet. Et une notion de qualité, parce que je pense que tout ça infuse aussi dans l'entreprise, c'est l'idée que quand on va acheter un produit chez vous, c'est de la qualité, c'est notamment des professionnels qui ont besoin d'avoir des produits qui tiennent. Exactement, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on référence avec précaution, avec des fournisseurs qui sont vraiment nos partenaires dans la durée, et on va travailler avec eux sur la qualité de ces produits. Et on a aujourd'hui tous un virage environnemental à faire, avec des engagements. Chaque entreprise est très concernée sur ce sujet. Ouais. Et donc, avec une offre dite éco-responsable ou avec aussi une approche par impact, typiquement, nos clients peuvent voir en fait comment ils peuvent contribuer à leur effort environnemental en choisissant certains produits. Choisir les bons produits. Et ça, c'est vraiment notre travail Manutan, c'est notre valeur ajoutée. Ce qu'on n'a pas sur une marketplace traditionnelle, parce qu'effectivement, on choisit ce qu'on veut sur un catalogue numérique. En 2022, pour la sixième année consécutive, là, ça vous impacte directement. Manutan fait partie du palmarès Best Workplaces France chez Great Place to Work et se positionne à la 19e place du classement des entreprises de 250 à 1000 collaborateurs. Qu'est-ce qui le justifie? Pourquoi vous êtes classé Pourquoi il fait bon vivre chez Manutan? Alors, c'est un mix de beaucoup de choses. C'est très vaste. Voilà, c'est très vaste. Donc, je pense qu'il y a des fondamentaux, il y a une culture,
une mission qui voilà, vont ancrer en fait l'entreprise et lui donner sa singularité. Donc notre mission, c'est entreprendre pour un monde meilleur. Donc comme vous l'imaginez, c'est très ambitieux. Et donc il faut que ça se voit, hein, quand on a une mission de cette envergure. La barre est haute, ouais. La barre est haute. Et donc on a toujours eu la volonté d'équilibrer nos attentions entre nos collaborateurs et nos clients, parce qu'on a compris assez vite que ça va être compliqué d'avoir des clients satisfaits sans avoir des collaborateurs heureux, et vice-versa. C'est essentiel, l'effet miroir. Hein. Exactement. Donc c'est vraiment des indicateurs qu'on suit avec beaucoup d'attention. Et donc pour être concrète, et notamment si on parle de qualité de vie au travail, puisque je crois qu'on n'était pas loin de la semaine de la qualité de vie au travail. C'est vrai. Voilà, on a eu dès le début, hein, dès la construction du site des Gonesse, donc il y a 10 ans, cette idée de construire ce campus avec tous les collaborateurs sur le même site, ce qui était déjà une décision oui, très importante. De ne pas atomiser... Oui, et puis de ne pas dire d'un côté la production et puis les bureaux dans Paris. Voilà, donc ça, c'était... On est tous ensemble pour que le business et les fonctions dites un peu support soient en interconnexion. Et cette idée d'avoir donc ce campus avec un centre sportif... 13 hectares, hein. Il y a 13 hectares et demi, dont 10 hectares d'espace vert. Donc c'est très grand, on respire. Moi qui ai vécu pas mal de temps autour de la défense, je peux vous dire, c'est assez différent comme environnement de travail. Changement de décor. Et donc on a ce centre sportif qui est vraiment un attribut aussi de notre politique RH, hein, parce que c'est là où les gens se retrouvent. Les valeurs du sport sont, en tout cas, le collectif, le dépassement, c'est des choses qui sont très fortes. Il faut préciser, parce que ceux qui ne sont jamais à la Gonesse, il faut voir le site quand même. Hein, c'est 2 salles de squash, un terrain multisport, tout. Enfin, je veux dire, une salle de musculation de 1000 mètres carrés. Enfin, c'est pas un. Oui, voilà. Non, c'est un cabouin, quoi. Exactement. C'est vrai qu'il faut, quand on fait très souvent des visites du site, et je veux dire que c'est un petit peu le moment où les gens font oh! Wow. Voilà. Mais encore une fois, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit pérenne. Et aujourd'hui, quand vous voyez le site, ça fait 10 ans, rien n'a bougé. La restauration, la qualité de la restauration, le lieu où on se restaure. Enfin, il y a quand même dans votre philosophie, la philosophie de l'entreprise, celle que vous portez, l'idée que pour bien produire, il faut se sentir bien là où on est. Enfin, c'est ce qui semble assez évident, mais voilà, c'est ce que vous cultivez en tout cas. Oui, non seulement on le cultive, mais on le démontre. Parce que encore une fois, ce sont des investissements qui ont été faits et sur lesquels on est très serein. Quand aujourd'hui, on a en effet un restaurant internalisé, avec 10 collaborateurs qui nous cuisinent des petits plats tous les jours, avec des produits locaux. Internalisé, c'est pas une grosse boîte qui vient vous apporter les plats. On a notre chef. Donc c'est vraiment un marqueur fort de l'entreprise. Ça a un coût forcément qu'on ne redonne pas aux salariés puisque les repas sont à 3,60 €. Donc ce qui est quand même, je pense, un des meilleurs rapports qualité-prix de la région. On va parler de la façon dont on manage les équipes, la façon dont on se parle. Et ça concerne les services RH comme le service des manutentionnaires. Vous le ressentez dans la marque employeur, tout ce que vous décrivez là, c'est-à-dire vous faites visiter l'entreprise et j'imagine que le bouche-à-oreille dit « Tiens, il cherche du monde chez Manutan » et on se dit « Ah oui, là où il y a le campus ». Je suis persuadé que c'est un levier de marque employeur, ce que vous me décrivez là. Oui, et je pense que là, on est vraiment rentré dans une nouvelle ère, peut-être parce qu'on est un petit peu poussé par l'effort de recrutement qu'on doit produire. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on parle plus de nous. Peut-être que le petit... Il faut donner envie. Voilà, exactement. On était un peu vivant heureux, vivant caché. Et là, maintenant, Le rideau tombe et là, vous vous montrez. Exactement. Il y a des choses intéressantes aussi dans la façon dont vous managez. Et forcément, les RH sont en pilotage. Ça, c'est un peu une philosophie aussi de l'entreprise. On se dit tout. On se dit tout. Xavier Guichard dit, on a une singularité managériale. Il peut y avoir beaucoup de non-dits, je le cite, et d'implicites dans une entreprise. Se dire les choses clairement, avec bienveillance, cela aide à progresser. Alors, on peut se dire, bon, tout ça sont des mots, mais j'ai le sentiment, en ayant lu quelques articles, que vous le pratiquez vraiment. C'est-à-dire, c'est quoi? On se pose, on se dit les choses, on laisse pas pourrir une situation. Comment ça se passe? Alors, 2 choses. Déjà, c'est vrai que dans nos valeurs... Ça vous a fait sourire. Oui, parce que c'est vrai que, je suis d'accord avec vous, c'est typiquement des choses qu'on peut entendre dans beaucoup d'entreprises. Ouais. Et après, il faut voir comment est-ce qu'on le met en marche. Bon, déjà, je pense qu'il y a de l'exemplarité au niveau de la direction générale. Clairement. Donc ça nous aide aussi beaucoup. Après, nos valeurs, dans nos valeurs, on va avoir se parler d'égal à égal, se donner du feedback. Et donc, on a mis ensuite justement cette culture du feedback. Donc, on a un programme qui s'appelle Feedback is a Gift, qui
est vraiment, parce que une fois qu'on s'est dit ça, c'est là que les problèmes commencent. Parce que donner c'est pas toujours un cadeau. Hein. Non, et puis c'est pas facile à faire. Ben non. Donc il faut vraiment aider les managers, il faut aider tous nos collaborateurs à le donner, à le recevoir. Il faut aussi les outiller, donc c'est ce qu'on a fait. Donc il y a eu vraiment un programme de formation extrêmement large, à la fois en face-à-face et en e-learning, pour que tout le monde comprenne les bases, justement, de cet exercice de feedback. Attendez, ce qui est intéressant, là, dans ce que vous soulevez, c'est que pour former les gens, c'est les former aussi au savoir-dire. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire à quelqu'un quelque chose, mais il faut aussi pouvoir lui dire... Enfin, j'imagine que vous avez peut-être eu à le subir d'un supérieur hiérarchique, peut-être du grand patron. On peut refaire un reproche à quelqu'un, mais il faut quand même savoir l'amener. Tout l'enjeu est là, en fait. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas juste avoir cette espèce d'incantation feedback, sans pour autant, sans en même temps former nos collaborateurs. C'est donc ce qu'on a fait. Et alors, pour vous donner des exemples... Et vous le ressentez, là, dans... Oui. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande vague de formation, ça a bien fonctionné. Là, il faut qu'on revienne dessus. Mais pour vous donner un exemple, on assiste à une réunion où plusieurs personnes vont prendre la parole et vous pouvez recevoir, à la fin de la réunion, un petit lien en disant « Est-ce que tu veux me donner un feedback sur ma présentation ?» C'est ça, en fait. Hein. Et après, bien sûr, il peut y avoir le feedback managérial. Mais je veux dire, le feedback, ce n'est pas que le manager avec son... C'est pas du hiérarchique, c'est de l'informel. Oui, l'idée, c'est d'en faire un outil de développement. C'est comment on peut être meilleur. Et rien de tel que le regard d'un pair pour vous aider à progresser. Votre autre mission, c'est la croissance durable. Ça, c'est là, on l'évoque. Mais par rapport à tous les... Et ça, c'est un enjeu très, très fort de culture d'entreprise. Donc, il y a cette culture du feedback et de savoir le dire. Et puis, il y a l'enjeu que vous situiez en mettant la barre très haute sur la croissance durable. Avec des produits, quand on va sur le site, évidemment, dont certains viennent de Chine, sont faits en plastique, sont à base de pétrole, parce qu'il y a beaucoup d'outils, de bricolage, de combinaisons plastiques. Enfin, comment on fait là? Comment vous faites pour vous différencier et vous positionner sur ces sujets? Et comment vous mobilisez aussi vos équipes sur ce sujet? Alors, sur la mobilisation des équipes, vous avez raison, c'est un point qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est un de nos projets de cette année, c'est d'acculturer l'ensemble des collaborateurs de Manutan, donc les 2200, à ce que c'est finalement la responsabilité sociale de l'entreprise et les enjeux environnementaux type bilan carbone, impact. Donc c'est tout un vocabulaire qu'il faut comprendre et ensuite intégrer à qu'est-ce que ça veut dire moi dans mon métier. Au quotidien. Dans ma réalité, de mes achats, parce que... Voilà, exactement. Et alors, après, bien sûr, les acheteurs sont sensibilisés depuis déjà bien longtemps sur ces sujets. Et l'idée, c'est de proposer de tout à nos clients, mais en leur donnant toutes les informations pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Et notre idée, c'est bien sûr de développer de plus en plus, justement, tous ces produits dits éco-responsables ou d'éclairer sur l'impact, en fait, de l'achat beaucoup de nos produits. Parfois, on n'a pas toujours le choix. Il faut être honnête sur certains produits, notamment pour des entreprises. On n'a pas le choix. En revanche, vous informer en disant, voilà, quoi, le produit est fait comme cela. Exactement. Il a tel bilan carbone. Soit le label, s'il a un label, par exemple, éco-responsable, si, en revanche, en termes d'impact, en effet, où il a été fait, quel est le bilan social, on va dire, de l'entreprise qui l'a produit. Voilà, c'est tous ces éléments qui vont donner un éclairage sur l'achat. Donc l'achat devient responsable. Alors, je précise que tous les produits que vous avez, donc les 700 000 références sont faites en France, ça serait formidable. Non, malheureusement. Faut être honnête, il faut le dire droit dans les yeux. Mais en revanche, ce qui est assez intéressant pour une entreprise, et d'ailleurs, peut-être que petit à petit, elles seront notées d'ailleurs sur ces achats, elles achètent à une entreprise française. Exactement. Non, mais faisons un petit cocorico quand même. Les grands sites d'achat sont anglo-saxons, pour ne pas dire américains, voire même chinois. Là, on a une entreprise française, qui n'est pas une marketplace, mais sur laquelle on peut acheter quand on est une entreprise. Bah, je ne sais pas comment vous négociez ça avec eux. Vous faites des grandes banderoles sur la plage, vous dites achetez Manutan, c'est français. Non, c'est clair que ça peut être un levier pour certains grands groupes français, c'est évident. Mais je pense que ce qui est notre plus grand atout, c'est quand même la qualité de notre service et notre catalogue. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment, nos clients sont pragmatiques aussi. Donc après, si en plus, il peut y avoir un petit effet cocorico, on demande que ça. Non, mais ça joue aussi sur l'idée qu'à un moment donné, ou un jour, ou bientôt, on n'achètera plus de produits sur des sites qui viennent de loin ou qui sont basés très loin et qu'on se dira, bah, tiens, il faut peut-être...
pousser à l'achat de produits, même si certains viennent de Chine ou d'Inde. Mais c'est un site français qui fait travailler des collaborateurs français. Oui, français et européens, ce qui nous permet d'avoir aussi l'identification de fournisseurs partout en Europe. Et ça, c'est aussi un des leviers importants pour Manutan. Alors, dernier point, et il n'est pas des moindres, vous disiez on accélère sur le recrutement, ça incombe à la DRH. Comment vous faites? Parce que tous les invités qui passent sur ce plateau nous disent on galère, c'est compliqué, les jeunes ont des exigences. Bref, tous les sujets que vous avez sur votre bureau, vous avez les mêmes, j'imagine? C'est compliqué de recruter, c'est compliqué d'attirer, comment ça se passe? Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on ne bénéficie pas d'une marque qui est connue, parce qu'on est sur du B2B, donc le candidat moyen n'a pas forcément entendu parler de Manutan. Donc on a déjà ce déficit de notoriété qu'on est en train de combler, et c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir notre première campagne marque employeur, où on a fait un film qui, j'espère en tout cas, fait bien ressortir l'esprit Manutan, et dont on a tourné d'ailleurs une partie dans Agonès, donc on voit le fameux mur d'escalade. Et, de la grande salle de sport. Voilà, exactement. Mais l'idée, derrière tout ça, c'est aussi de bien expliquer en quoi l'expérience chez Manutan peut être intéressante et avoir du sens et surtout s'inscrire dans la durée. Voilà. Nous, on ne recrute pas quelqu'un pour un job aujourd'hui, on recrute un collaborateur qui va s'épanouir chez nous et qui aura toute la possibilité d'évoluer. On le voit d'ailleurs sur le turnover, vous avez un turnover assez faible, entreprise jeune par ailleurs, plutôt jeune, et avec des gens qui s'installent dans l'entreprise plus de 10 ans, 20 ans, enfin ça c'est intéressant, c'est le signe qu'on y est bien. Exactement, et ça c'est une très très grande chance. Maintenant, ça nous oblige aussi, parce que garder les gens, c'est bien, mais il faut les garder motivés, il faut les garder en leur proposant des nouveaux challenges. L'idée, ce n'est pas de les poser là et d'attendre 10 ans de voir ce qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire derrière, des politiques de formation, des politiques de suivi, de la mobilité interne. Donc, c'est très engageant, mais je pense que c'est vraiment des belles ressources humaines, c'est ce qu'on a envie de faire. Et de la formation, parce que vous évoquiez tout à l'heure la formation, même si peut-être tout n'est pas encore posé, vous êtes en train d'accélérer, on le voit, dans votre stratégie, dans votre visibilité, dans le fait que vous fassiez connaître du grand public et donc d'attirer des talents. Télétravail ou pas télétravail? Parce qu'il y a un grand débat, parce que les manutentionnaires, ceux qui répondent aux commandes et qui, dont le client au bout attend très vite la commande, parce que les entreprises veulent en général être livrées la minute même, ceux-là n'ont pas de télétravail. C'est-à-dire que comment on fait dans une entreprise où vous avez à la fois des cols blancs qui peuvent télétravailler et puis en même temps sur le même site des gens qui, eux, sont obligés de venir au travail? Alors, c'est vrai que ça ajoute... Enfin, nous, on ne l'a pas vécu comme une difficulté particulière parce que je pense que les gens sont raisonnables et en effet, ils comprennent que l'accord de télétravail, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, c'est à nous de travailler sur l'expérience collaborateur de nos collaborateurs des entrepôts, de voir en fait comment, je ne dirais pas compenser, mais en tout cas leur apporter aussi ce dont eux ont besoin et qui sont liés à la spécificité de leur tâche. Et après, sur... Le télétravail, on a fait comme tout le monde notre accord. Et là, maintenant, je pense que c'est très important de prendre un pas de recul et de faire un petit peu un retour d'expérience et de voir où on en est après un an. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui se développe et sûrement retravailler dessus si besoin. Puis, il faut toujours, toujours être en alerte. Je pense que là-dessus, on est vraiment loin d'avoir vu tous les impacts de ce que ça peut dire sur une culture d'entreprise. Pas encore assez de recul, pour la DRH que vous êtes, j'imagine. Je pense qu'il faut prendre du recul et il va falloir je pense que je vais pas me dire ce sujet il est clos, c'est bon, c'est terminé. Ça fait partie, il faudra toujours garder cette vision sur l'organisation du travail. Mais vous y décelez des choses déjà par rapport à ceux qui ont opté pour cette formule? Est-ce que vous voyez des éléments de productivité ou de faiblesse de la productivité ou de désengagement? Parce que vous avez des capteurs forcément. Oui, bien sûr. Déjà, nous, ce qui nous avait vraiment tout à fait rassuré, c'est que quand tout le monde est passé en télétravail au moment du Covid, forcé, vous parlez du forcé, là. Exactement, le télétravail sanitaire, l'entreprise avait extrêmement bien fonctionné, tous nos collaborateurs étaient au rendez-vous. Et c'est en ça que... C'est assez émouvant d'ailleurs, si je peux me permettre. Mais c'est en ça qu'avoir cette culture, déjà, ça ne tombe pas du ciel, cet engagement. C'est encore une fois parce qu'on est dans cet échange et dans ce...
Oui, cette vraie attention qui est portée à leur bien-être et qu'on est à leur écoute. Donc ils renvoient, c'est ce que vous dites. On l'analyse pas comme ça, mais je pense que en fait, à un moment, quand on est bien, les choses sont plus faciles. Donc oui, ça se passe plutôt bien et on n'a pas du tout de baisse de productivité. Il faut aussi regarder au niveau européen. On n'est pas tous les pays d'Europe sont pas égaux sur le télétravail. Certains, pour donner les Pays-Bas, ils ont quand même été en télétravail dit forcé pendant un an et demi. Donc forcément, le retour entre guillemets au bureau, c'est quelque chose qui est plus compliqué peut-être, parce qu'ils ont quand même vraiment été coupés très longtemps. Vous cherchez quoi concrètement comme collaborateur aujourd'hui ? C'est quoi ? Parce qu'on a compris que le digital occupait une grande place dans l'entreprise. Vous n'êtes plus en catalogue, vous n'êtes plus chez l'imprimeur à porter le BAT, c'est fini. Donc maintenant, c'est du numérique, il faut mettre en ligne. C'est quoi là aujourd'hui ? C'est la tech l'enjeu ? C'est les postes tech ? Oui, alors aujourd'hui, si je vais être très précise, je dois avoir à peu près 80 postes ouverts actuellement là sur Gonesse. Là ? Voilà. Et on voit bien finalement, encore une fois, les deux piliers de Manutan, parce que vous allez voir bien sûr tous les métiers de la data, les métiers de l'UX design, les métiers de que nous on appelle business technology, donc toute la partie développement, mais aussi... des postes de conseiller commercial, des chefs de produits pour notre offre. Donc on a encore une fois des postes qui sont à l'image de notre entreprise. Là où c'est le plus dur en ce moment, parce qu'on a beaucoup d'invités qui nous disent mais c'est la tech, on n'arrive pas, les talents, tout le monde se les arrache. Et quand on veut avoir un site qui booste de qualité, il faut avoir les talents. Vous les avez ou pas ? Ou vous les recherchez là ? On a la chance d'avoir déjà une très belle équipe de marketing business technology. Donc, on a constitué assez rapidement. Maintenant, oui, il y a encore bien sûr des trous dans la raquette et on les cherche. Et on compte, comme vous le disiez, aussi beaucoup sur le bouche à oreille et sur le fait que viens voir chez Manutan, c'est une expérience un peu à part. Votre campagne, elle va être diffusée sur quoi ? Sur les chaînes de télévision ? Sur les un réseaux petit sociaux ? Peu, oui, plutôt sur les réseaux sociaux. De manière à ouvrir en fait, grand les portes. On a déjà des bons retours. On a eu à peu près, on estime, 200 candidatures qui ont été liées à cette campagne. Donc, on est plutôt satisfait pour une première fois. Donc, la personne qui vient ou qui répond dit, oui, j'ai entendu parler de Manutan grâce à la campagne. Parce que c'est vrai que cette marque, elle est un peu en deuxième rideau par rapport aux marques très, très connues, grand public. C'est ça, en fait, la difficulté là, que vous avez. Mais je pense qu'on a aussi à vendre l'ETI. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Il se trouve que je donne des cours et donc j'ai deux ans des étudiants en face de moi. Et quand ils me parlent de leur avenir, on a l'impression que la vie est faite entre soit les très grands groupes, les marques qu'ils connaissent, ou les start-up. Ou la start-up. Et puis au milieu, il ne se passe rien. Donc bon, il y a quand même plus de 5000 ETI en France. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est le bon format. Parce qu'on a du sens, on voit l'impact de ce qu'on fait. Donc, ce qui est quand même assez satisfaisant. Et puis, la communication est facile, les décisions sont rapides. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment promouvoir les ETI auprès des candidats. Et avant de nous quitter, parce que c'est intéressant d'avoir... Je la pose très souvent au début de l'émission, mais là, j'en profite à la fin. Et vous, ça a changé quoi dans votre vie de DRH ? Parce que vous êtes passé, je crois, par des cabinets de conseil, vous avez fait du conseil, de l'agence. Ça change quoi d'être à Gonesse sur un site de 13 hectares et demi avec une autre population, une autre sociologie ? Déjà, ça m'apporte une grande satisfaction personnelle parce que c'est vrai que c'était un choix de cœur, Manutan, clairement. Et justement, cette palette de collaborateurs, moi je trouve que c'est passionnant de pouvoir décliner des politiques RH qui soient qui correspondent aux attentes de chacun. Voilà. Et cette personnalisation des politiques RH, c'est vraiment notre enjeu. En tout cas, c'est un beau défi puisque là vous êtes en train d'accélérer. Au total, combien de postes ouverts là pour se leur dire une dernière fois ? 80 sur le site de Gonesse. Et sur notre site internet, tous les postes de toutes les autres entités et au niveau européen aussi. Donc, que vous évoquiez tout à l'heure, la Grande-Bretagne, pour ne citer qu'elle, et toutes les autres marques que vous avez citées. Qui sont des sites spécifiques là. Voilà, exactement. Vraiment pour des produits spécifiques. On évoquait tout à l'heure le sport notamment et d'autres. Et puis elle est donc à Gonesse. Si vous avez l'occasion d'y rentrer, voir ce site. Moi, j'irais bien faire du sport sur votre. Vous êtes invité quand vous voulez. Écoutez, rendez-vous pris sur le campus de 13 hectares et demi. On ira faire une partie squash. Merci de nous avoir rendu visite. Merci, vous êtes la DRH de Manutan. Combien de collaborateurs au total 2200 en Europe. 2200 collaborateurs, Caroline Haquet. Merci, j'avais perdu ma fiche. Et j'étais perdue. Merci, Caroline Haquet, de nous avoir rendu visite, DRH de Manutan. On termine, merci à vous. Merci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite.
Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la reconversion. Alors, ça existe depuis fort longtemps, mais le phénomène grandit et on va en parler avec Aymeric Le Breton. Bonjour Aymeric. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, fondateur et PDG d'Orientaction. Oui. On le dit comme ça ? Oui, c'est ça. Fondé en 2008. Alors, votre cœur de métier, pour le dire très directement, c'est les bilans de compétences. Vous accompagnez des individus à faire une photographie et à engager une transformation pour une partie d'entre eux. Mais sur ce phénomène de reconversion, puisque là, vous les avez face à vous, le phénomène est grandissant. Alors, depuis la création de l'entreprise, effectivement, on assiste à une augmentation du désir de reconversion. Les changements de métier sont de plus en plus fréquents dans une carrière professionnelle. Alors, au départ, c'était, on va dire, plutôt quelque chose de subi. C'est-à-dire que tout d'un coup, les entreprises avaient besoin de changer plus souvent. Il y avait des réorganisations. Donc des plans sociaux. C'est ça. Donc, les salariés devaient s'adapter. Et puis, c'est rentré dans les mœurs. Et aujourd'hui, c'est devenu un désir. Voilà, désir de pouvoir changer de métier, de faire autre chose, d'avoir différentes vies professionnelles et pas une seule vie professionnelle. Alors, vous avez trois visages, entrepreneur, professeur et chercheur en sciences humaines. Qu'est-ce qui a provoqué le Covid, au fond ? Là, je m'adresse aux psychologues, pas aux chefs d'entreprise. Quel est le processus intérieur qui a fait que de plus en plus de salariés ont décidé de renverser la table et de changer de vie ? En fait, vous avez un phénomène qui est simple, c'est-à-dire que vous êtes ancré dans vos habitudes, hein, tous les matins vous vous levez à la même heure, vous faites la même chose, etc. Et puis à un moment donné, vous avez le Covid qui vient là et ça fait comme une parenthèse et vous avez le temps de réfléchir. Enchanté pour certains. Enchanté pour certains, ça a permis effectivement d'être au chômage partiel, de faire une pause, de voir la vie différemment. Et puis là, tout d'un coup, on se met à réfléchir sur ce qu'on a envie de faire, on regarde un petit peu autour de soi et on se dit, tiens, est-ce que j'ai envie de faire ça jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose, de mieux rémunéré, plus épanouissant? Et voilà, il y a une réflexion qui s'est mise en route et c'est ça qui provoque aussi un désir de reconversion. Alors, il y a 87% des Français qui pourraient être qui pourraient, parce qu'il y a entre ceux qui le désirent et ceux qui passent à l'acte, on pourra en parler, c'est pas tout à fait le même chiffre, qui pourraient être incités à changer de métier. Et on découvre une deuxième animation, et on va pouvoir la commenter ensemble, sur les incitations principales au changement de métier, source IFOP et Orientation, qui est un sondage que vous avez commandé. 36%, c'est la qualité de vie. Tout à fait. 29%, c'est la rémunération. Et 22%, la valorisation et la quête de sens. D'abord, un mot, la rémunération reste assez haute quand même. Alors ça, c'était une surprise de ce sondage IFOP. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas, parce que nous, au quotidien, si vous voulez, dans les gens qu'on accompagne, on accompagne presque 10 000 personnes par an. Souvent, c'est la quête de sens qui ressort. Et puis, c'est ce qui ressort aussi dans les médias. Voilà, on voit ce phénomène qui préoccupe. Et en réalité, quand on a vu la rémunération, elle est très, très présente. Elle n'est pas très loin. Elle est en deuxième position. Et elle a à la fois un élément, une motivation pour changer et une motivation aussi pour rester. Donc, on voit que là, la notion de pouvoir d'achat, la notion de pouvoir se faire plaisir dans la vie, etc., elle reste très, très forte. Donc, en fait, il ne faut pas non plus surexagérer le sens. On voit aussi qu'il y a quand même, et vous avez raison de le souligner, dans ceux qui ne veulent pas basculer, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, ils ont envie de changer, mais ils se disent je vais avoir une perte de pouvoir d'achat, donc autant rester dans le job que j'ai actuellement. Alors ça, c'est effectivement ce que nous enseigne aussi ce sondage, c'est que la plupart des gens, ce qui les empêche de se reconvertir ou de changer de métier, c'est vraiment effectivement les risques liés, j'ai le crédit à payer, j'ai les études des enfants. Je suis tenu, quoi. Je suis un peu tenu, voilà, donc je vais pas faire de folie et changer de métier du jour au lendemain. Et par contre aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que si votre employeur vous augmente, propose une augmentation de salaire à ses salariés, c'est la meilleure manière de les retenir, puisque 45% des salariés, finalement, ce qui les ferait rester dans leur poste actuel, c'est une augmentation. Vous voyez que ça vient bien prendre le contre-pied du grand discours autour du sens. Dès lors qu'on augmente le salarié d'une manière assez nette, on le réengage. On le réengage complètement et ça peut vraiment être un élément de motivation principal. Après, ce qui ressort, c'est quand même sur l'aspect qualité de vie, c'est-à-dire tout ce qui est autour des équilibres pro-perso. Oui. On l'a vu pour l'hôtellerie-restauration. Clairement. Le fait de travailler le week-end, de travailler la nuit, tout ça, de travailler pendant les vacances, tout ça, c'est des éléments effectivement qui donnent envie de changer, parce qu'on a envie, comme tout le monde, de pouvoir profiter de sa famille, de pouvoir partir en vacances au même moment que les autres qui partent en vacances. Et ça, c'est quand même une aspiration grandissante. Enfin, ça ne résout pas quand même le problème après de pouvoir trouver le boucher ou le cafetier ou le salarié qui va devoir faire le boulot. Enfin, on a un vrai sujet là quand même. C'est-à-dire que pendant que ces salariés s'en vont et changent d'air, on a des postes vacants.
Bah, c'est ça le vrai sujet, quoi. Ça c'est un défi pour la société, parce que finalement le désir de reconversion, et nous c'est aussi notre manière de le traiter, il est individuel. C'est moi en tant qu'individu, j'aspire à une autre vie. Donc ça c'est formidable, ça permet de réaliser ses rêves, d'avoir la vie qui nous ressemble. Par contre, au niveau de la nation, il y a une vraie réflexion, parce que comment on fait quand même pour qu'il y ait du monde dans ces secteurs-là. On a tous quête de sens, mais après il y a une réalité. Si je veux prendre un café, si je veux aller manger au restaurant et que le restaurant est fermé, quand même la reconversion professionnelle dans les freins, parce que qui vient faire contrepoint à ce qu'on se dit, 27% c'est la rémunération, on l'évoquait, 23% c'est perdre son emploi et ne pas en retrouver un, donc évidemment c'est une peur un peu existentielle, enfin très concrète et existentielle, et 21% les charges que les actifs ont à payer, on évoquait les études des enfants et le reste, par exemple les traites d'une maison, et puis dans les projets professionnels, il y en a quand même 28% qui souhaitent changer de métier et seulement 6 qui veulent créer leur propre entreprise. Ça aussi, ça va un peu à l'encontre du discours ambiant. Tout le monde veut créer sa boîte, non, beaucoup veulent seulement changer de métier. Donc il y a 37% des Français qui ont déjà pensé à créer leur entreprise, mais effectivement il n'y en a que 6% qui l'envisagent vraiment, parce que ça leur semble complexe, risqué, compliqué, et donc ils préfèrent rester salariés. Risque et sécurité, quoi. On pèse toujours quel risque je prends et la sécurité, c'est ça l'enjeu. C'est ce qui ressort de l'étude finalement, c'est que les personnes veulent bien changer de métier pour avoir une meilleure qualité de vie, mais à un moment donné, elles se rattachent aussi à le sens premier de l'emploi, qui est apporter une sécurité et une rémunération. Donc à un moment donné, ça c'est un élément indispensable qui joue dans la tête des gens. Les bilans de compétences que vous faites, parce que vous accompagnez je crois plus de 10 000 personnes par an par leur CPF, par les outils qui leur permettent de le financer, au-delà des sondages, vous, votre propre statistique, vous voyez quand même aujourd'hui des personnes qui, au-delà du désir de le faire, passent à l'acte, un peu plus. Oui, alors dans les projets en fait qui ressortent nous des accompagnements, il y a bien sûr le projet de la reconversion parfait où la personne change complètement de métier, voire de région. D'accord. Ça reste la belle histoire. Ça reste la belle histoire. C'est quand même une minorité. Alors j'ai pas de pourcentage à vous donner là aujourd'hui, mais ça reste quand même une minorité. Très faible, très faible. Voilà. Après, par contre, il y a beaucoup plus de transitions. Nous, ce qu'on appelle les transitions douces, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. C'est-à-dire, c'est des changements dans la durée. C'est-à-dire, je vais créer ma boîte, mais je me donne le temps. Voilà, je vais commencer par avoir une coactivité, je vais avoir mon petit statut de micro-entreprise en parallèle de mon job, et puis progressivement je vais développer ma clientèle, et après je vais me lancer une fois que je serai en sécurité, ou peut-être qu'une fois que j'aurai remboursé mon crédit et que les enfants seront grands et j'aurai payé les études. Mais ça c'est le psychologue, le docteur en psychologie, c'est la nature humaine, ça, d'avoir quand même besoin de sécurité avant de prendre le... Il y a très peu de gens qui prennent le risque maximum en renversant tout d'un coup. Renverser la table, c'est une minorité. Alors après, il y a aussi, c'est une question d'âge. C'est-à-dire que c'est vrai. Quand on a entre 25 et 30 ans, qu'on vit dans une grande ville, qu'on est diplômé, on va prendre plus facilement le risque de renverser la table que quand on a 40 ans, 3 enfants. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Évidemment. Et donc c'est pour ça que le désir de reconversion, finalement, il survient de plus en plus jeune. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître, qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire chez les 25-30 ans, il y a vraiment un désir de faire le job de ses rêves et de ne plus... faire juste le job qui était dans la continuité de son orientation. Et puis également, beaucoup à partir de 45-50 ans, quand les enfants sont grands, le nid vide, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Exactement. Et je refais une deuxième vie professionnelle. Merci Émeric Le Breton, docteur en psychologie, fondateur PDG d'Orientaction. C'est du bilan de compétences. À découvrir ce sondage intégral IFOP Orientaction sur votre site, évidemment, pour découvrir toutes ces nuances qui ne sont pas toujours comme ça les légendes vendues qu'on nous vend dans les médias. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. C'est terminé. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily. Et merci à vous pour vos réactions sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez nous écouter en podcast. Tiens, c'est l'occasion de ne plus me regarder, mais de nous écouter uniquement en podcast. Bye bye. À demain.